Bienvenue sur 24 heures Inside, le programme qui va vous faire vivre les 24 heures du Mans dans les coulisses de cet événement planétaire. En effet, tout au long de la semaine des 24 heures, vous allez découvrir les secrets des uns et des autres et de toute la communauté qui se fédère à l'occasion de la plus grande course automobile du monde. Et on commence par les derniers préparatifs sur le circuit et aux alentours. Bref, tous, regardez la voiture numéro 1 et puis la place numéro 1 sur la plus haute marche du podium du Mans. Ils en rêvent tous, les pilotes, les concurrents des 24 heures. Ils sont ici depuis le début de la fameuse semaine du Mans. Ça commence au pesage. Les pilotes se retrouvent. Il y a une ambiance de retrouvailles, de commémoration. Chacun y va de son petit selfie. Et on y va, nous, pour la photo de famille, pour regrouper un peu tout ce beau monde. I'm ready.
Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate. Le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Pourquoi cette montre? Cette montre a vu la mécanique accomplir des chefs-d'œuvre. Et le passé rattraper le présent. Elle a vu l'homme se dépasser et défier les lois de la physique. Elle a scellé des destins au millième de seconde près. Et elle a vu des champions couronnés. Bien plus qu'une montre, un témoin de son temps. Retour sur 24 heures inside dans la ligne droite du circuit des 24 heures du Mans. Mais avant d'aborder la piste proprement dite, eh bien tous les concurrents passent par les différents contrôles techniques, administratifs, les vérifications, comme on dit. Nous étions sur le pesage, dans l'ambiance, pour vous faire vivre ça, et dans une ambiance sonore aussi. Tendez bien l'oreille. Voilà donc pour les préparatifs, le pesage des voitures, le contrôle administratif des pilotes, des licences. Après, eh bien, on se présente au circuit proprement dit, là où nous sommes. Et pour que les choses sérieuses commencent, on passe d'abord par la direction de course. C'est là que le briefing des pilotes a lieu. Et même les plus expérimentés d'entre eux sont très attentifs à tous ces petits détails de procédures, de règlements, de logistique, de technique qu'il faut savoir avant de prendre le volant et physiquement de se lancer sur la piste des 24 heures du Mans. Good morning, everybody. On behalf of Pierre Fillon, president of the ICU, I would like to welcome all of you to the 83rd edition of the 24 Hours of Le Mans. Oui, bien sûr, c'est un moment extrêmement important. C'est la première fois de la semaine où on a tout le monde réuni en même temps. Donc, c'est un moment en même temps solennel et puis aussi très important parce qu'on réexplique, on rappelle toutes les règles de sécurité. C'est quelque chose d'obligatoire. Un pilote qui n'assisterait pas au briefing
se verrait lourdement sanctionné. Ça nous permet d'avoir ce moment de communication pour rappeler les règles de sécurité et donner aussi les dernières informations qui pourraient être des informations récentes et qu'ils n'auraient pas à leur connaissance. Donc on profite de ce moment-là pour bien recadrer tout ça. It's a pleasure to be here, especially working with such a big number of actors. If you have an accident for us, that's the most important thing is to know how the driver is. Voilà, les pilotes sont briefés, comme on dit. Ils vont encore évidemment avoir droit à des briefings techniques dans chacune des équipes, avec les ingénieurs, avec les stratèges. Mais la technique de pilotage, c'est encore autre chose. Et virage par virage, nous allons découvrir le circuit des 24 heures du Mans tout au long de nos programmes 24 heures Inside, avec chaque fois un pilote qui nous présente un virage en particulier. Donc on commence par le dernier, c'est la fameuse chicane Ford, le dernier virage avant les stands en forme de S, et il est présenté par un régional de l'étape, c'est Julien Canal. Bonjour Julien Canal, voiture numéro 26, Team G-Drive en LMP2. C'est ma 6e participation aux 24 heures du Mans. Nous sommes ici dans la chicane des S Ford. Un virage qui s'aborde en 5e vitesse à un peu plus de 240 km/h. Il y a un rétrogradage de 2 vitesses pour le passer en 3e avec des vibreurs qui sont assez plats pour ensuite enchaîner sur les S du raccordement. C'est un virage un peu spécifique puisque il combine en même temps et le S et l'entrée des stands. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de dépassements juste avant cette entrée des stands, donc c'est assez compliqué de gérer et le trafic avec les LMP1, les GT, LMP2. Pour arriver à négocier au mieux ce virage, c'est important de regarder dans les rétroviseurs. Rendez-vous le 13 juin pour supporter l'équipe G-Drive et suivez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag LM24. Voilà pour ce premier rendez-vous sur 24 heures Inside. On en aura d'autres, évidemment, tout au long de la semaine. Nous vous proposons une chaîne d'informations continue pour suivre les 24 heures du Mans et ses coulisses, toutes ces coulisses. Nous irons dans le village, voir les animations, dans les tribunes, à la rencontre de vous, les spectateurs, mais aussi les acteurs des 24 heures, les travailleurs de l'ombre, comme les vedettes, les stars qui brillent sous les spotlights dans la pit lane du Mans. Et puis, bien sûr, pour suivre la course elle-même, nous vous recommandons chaudement l'application des 24 heures du Mans avec cette app que vous pouvez télécharger. Vous suivrez les classements, les informations en permanence, toutes les caméras embarquées dans les voitures. C'est le meilleur moyen cette année pour suivre la plus grande course du monde. Nous, on se donne rendez-vous eh bien, dès demain sur 24 heures Inside et puis tout au long de la semaine pour ce journal d'information continue. Le live est beaucoup plus encore sur l'app des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans comme vous ne les avez jamais vues. 24 heures Inside est la chaîne de l'événement. Pénétrez le cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Découvrez les coulisses et les histoires qui font la légende. Rencontrez les acteurs et les fans. 24 heures Inside parce que l'événement est aussi autour de la piste. Le journal des 24 heures sur vos tablettes, téléphones et ordinateurs.